plus assez de munitions de. Avec son truc, avec son petit lanceur. Ah si, il a assez de munitions avec le petit lanceur. Moi j'ai rien dit alors. Mais on a dit que ce serait bien s'il pouvait se battre réellement. Pff, plus que deux ici. Hein. Ok, vendre. Je pense qu'on peut faire de la place. Je sais même pas si on doit les garder ces trucs là une fois qu'on les a recherchés ou pas. Les corps des mutants. Hop. Tes rôles, on peut les vendre tous sans les avoir cherchés. Pour le principe. Pour le principe, pour le musée. Des grenades aliens. Ça fait beaucoup. Ça aussi, ça fait beaucoup. Ok. On a des roquettes, mais on a plus de char. Très bien. Et en fabrication, il reste encore 7 jours pour les. On va attendre avant d'attaquer la base. On n'est pas pressé après tout. Enfin, si, on est 29 août. Ah! Super, des roquettes. On est 29 août. Recherche terminée. Les défenses laser protègent de l'incursion des vaisseaux ennemis. Très bien. Ok. Le pistolet sert à tirer sur les cibles. Des soldats. Ouais. On va reprendre une dizaine. On va reprendre un tank aussi, après tout. On sait jamais. Équiper vaisseau. Armure. Ok. Équipage. Très bien, j'en ai pris 14. Si on en prend 14. Très bien. Ok. Armure, enfin. Toi. Ce sera pour. Ok. Et là, on est vraiment parti pour attaquer la base alien, essayer de capturer un commandant. Ça va pas être gagné. Surtout qu'ils arrivent toujours, évidemment. Au moins, il est bien parce qu'il passe par l'épaule. Il est où? Il arrive en Australie. Génial, puis on va le cracher au-dessus de l'eau. Ça fait des points pour le budget. Très bien. Puis on va même réussir à y aller toujours. Et bah, c'est parti! On a pénétré dans une base alien. Notre deuxième. Qui va porter? Bah, toujours Tom Thompson. Allez hop, dans ton sac à dos. Tu portes. Ça. Très bien! On est déjà en bas. Si on est déjà en bas, on en profite. On en profite parce qu'on est. On va pouvoir plus rapidement explorer. Ils sont les autres. Ils sont là. On a aussi du monde en bas. Très bien. Très bien, mais pas au milieu de la pièce, s'il vous plaît, tant que les autres sont pas prêts à descendre. Ok.
Ok. Et vous quatre prêts à descendre au tour d'après. Non, mais non. Ah, les miscliques de l'enfer. Des mutons. Bonjour, on est là. On est là et on se cache en espérant qu'ils aient pas des lanceurs blaster. Ce serait l'apocalypse, la fin du monde, ça. Ah, super, on est pas loin. Non. Bon, au moins il est à couvert. C'est mieux si t'attends ici. Ok. Au-dessus. Toi. Voilà. Sans faire de misclic. Tu peux descendre. Et te mettre dans le coin. Voilà, parfait. Toi aussi, tu vas descendre. Allez ici. De couvrir de ce côté-là. Très bien. Ici. Très bien. Ça, je crois que c'est la fin. Ouais, c'est le côté base du commandant. C'est ici qu'il y a le centre de contrôle. Super. Surtout, je crois que Thompson il est là. Non. Si, il est là, Thompson. Donc, celui qui a le petit lanceur. Il est pas loin. Toi aussi, go. On n'a rien vu. Donc. Fait. Très bien. On peut avancer ici. Petit pas, un petit pas ici. Hein. L'entrée ici, puis après il y a un long corridor pour faire tout le tour de l'autre côté. Et Thompson doit venir ici donc. Plutôt que de passer par là. Mais il y a le reste du groupe ici qui va pouvoir les aider. Toi. Tire 22. T'as raison, si tu meurs, ça sert à rien de compter le nombre de points. Et nouvelle recrue, ton tir à toi il a 17. Très bien. 21. Ah, quand même. On pourra pas témoigner de ce qu'il a vu. D'ailleurs, a-t-il vu quelque chose? On ne sait pas. Très bien, Thompson. T'as dit qu'il fallait que t'ailles là-haut. On a pris ton relais. C'est bon. Une porte s'ouvre. Encore. Ici, on a deux.
Très bien. Toucher une fois, c'est déjà bien. Même si je préférais que tu tues. Comme lui, par exemple. Oh, bah voilà, nickel. J'espère que c'était pas un commandant, par contre. Parfait. Essayer de faire une mission sans mort cette fois, ce serait pas mal. À y aller après au prochain tour. Bon, on a bien avancé. D'accord. Ça tire au hasard. Comment ça, il me voit? On devrait le voir, quoi. Même. Ok, il y en a un là. Et il est pour toi. Pour ça qu'on utilise plein de soldats. Celui-là, on les a jamais vus. Les gaz de prout. Ouais, tu rentres en premier. Super. Très bien. Ici, on en est où? On a vu personne bouger. Là. Et toi là? Toi tu continues ton repérage de ce couloir là. Très bien, il n'y a personne ici. Ok. Ils ont tous bougé, j'ai l'impression. Non, on a oublié lui. C'était ici. Très bien. Ouais. Ok. Ok. Tirer ses 22. Parfait. Ici. Pierre Guérin. On sait qu'il n'y a personne normalement ici. Puisqu'on a notre gars qui a pu voir depuis le couloir. Mince. Par contre, ici, c'est pas dit.
avance petit à petit sur la même ligne, c'est tout ça qui compte. Et toi aussi, il faut que tu viennes du coup. Très bien. Oh. Oh. Donc, on a vu ici. Il semblait avoir vu un gars. En tout cas, ici, c'est sûr qu'on en a vu un. Qu'il faudrait pas qu'on se laisse surprendre. Ici, toi, par contre, ta ligne de tir, elle va être bidon. Là, il n'y en a pas. Il n'y a personne devant, vas-y, tire. Ouh, joli. Du coup, on n'est plus inquiété, on peut retourner. Ça fait faire des allers-retours, c'est dommage, on perd du temps, on perd un tour, mais on n'a pas perdu quelqu'un, c'est déjà ça. Il me semble qu'on en a vu un par là aussi. Elle n'a pas été blessée, elle. Ça aurait pu. Toi, voilà, comme ça. Et toi, t'envoies un ici. Très bien, ça a raté. Et toi, tu peux tirer aussi. Celui-là aussi, il peut être violent. Reste deux à avancer. Lui aussi. Pas personne. Pas quelqu'un. Pas de ligne de tir. Tant pis, cache-toi. Il devrait y avoir personne surtout sur ce tour. Ok. Bonjour. Ils sont deux. Il est bon lui. Ok, personne derrière. Un ici. Tant pis. Je sais pas, il a un canon lourd, donc c'est pas un commandant. Toi, faudrait que t'avances aussi. Un moment. Après tout, c'est toi qui as ça dans la main. Tu peux pas mettre ça dans le sac à dos, ok. Mais bon, je suis là aussi. Je crois qu'il y en a deux, j'arrête pas d'oublier. Ces deux-là. Après, ici, c'est surtout un stockage, il me semble. Ok. Lui, il a à peine joué. Aussi. Lui aussi. Très bien, allez go. Super. Toi, si t'avances, c'est ce qu'il te tue. Non, il te tue pas.
Génial. Thompson, range-moi ça. Et sois prêt à en assommer un. Personne plus ici. On va continuer d'avancer avec eux. C'est de continuer à prendre le contrôle de la base de l'autre côté. Bien. Comment on voit ici? Ah, c'est toujours lui aussi que j'ai oublié. Ok, très bien. Oh, il y a une porte au fond. Faut pas aller trop vite non plus. Hop, bon, comme je disais que c'était du stockage ici. Monsieur, je sais, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Par contre, il y a une porte qui s'est encore ouverte ici. Ok. On investit des lieux. Très bien. Toi, tu peux avancer aussi. Ce serait bien que tu ailles rejoindre les copains. Par exemple, ici. Grande salle. On avait des soucis dans la base précédente au même endroit. Avance. Toi. Comme on a dit, on entend des portes, alors faut se méfier. Forcément un autre qui se balade. Bah là, par exemple. D'accord, il était assommé. Ou il a paniqué, peut-être, je sais pas. Je crois qu'il me l'aurait dit s'il avait paniqué. En tout cas, je sais pas comment j'ai fait pour lui tirer dessus ni d'où. Donc, à mon avis, il a perdu ses armes. Suite à notre assaut. Et eux, ils ont dû bouger. Qui a tiré sur quoi? Très bien. Hop. On va attendre ici. Toi, viens là. Très bien. On se cache. Eux, ils continuent à avancer. On devrait contrôler toute la carte là. Je suis content, il n'y a pas des escaliers croisés comme à certains endroits. Ou une salle qui a des escaliers qui mènent à une autre salle qui est une impasse. Faut absolument passer par l'étage pour accéder au reste de la base. Allez, rentre. Au moins, il y a un ascenseur ici. Très bien. Très bien, c'est le suspense là. Enfin, suspense, non. Je vais pas gagner, mais c'est la tension. Bonjour. T'avais quoi comme arme? Fusil? Fusil. J'ai des mondes devant. Hop. Allons-y. Toi, tu peux encore avancer un petit peu. Voilà, très bien. Encore deux cases. Même d'une, en réalité. Vous deux.
Non, on voit tout là. Donc on va pouvoir se concentrer sur la partie nord. Qui est bientôt fini. Ça c'est juste un petit poste pour voir au-dessus. C'est étrange d'ailleurs comme ça. Dans son utilisation. Allez Yuri, tu peux passer là. Toi tu vas en avance. On voit personne. On peut les voir au travers des ascenseurs. Ok, toi. Ouais, couvre par là. Ok, personne ici. Attends, ils savaient, hein. Sinon, ils auraient déjà bougé. Ah, c'est bien ça. De l'Hélérium 115. Très bien, toi t'as plus d'unité. De temps. Ok. Il en reste certainement un. Vous voyez personne. Personne. Tout ça pour rien. On vient à 4 ici, et le commandant en fait il est déjà descendu. Très bien, alors on va retourner par là. C'est peut-être quelqu'un qui a survécu, hein, qui n'était pas mort. Et du coup, il va falloir qu'on le rendorme. Parce qu'il serait où sinon? Ça c'est la pire configuration dans le jeu, c'est qu'on ne sait pas où sont les ennemis. On a tout exploré et on ne sait pas. Après il reste ici. Mais bon, c'est le même plan que l'autre côté. Donc... une arme là toute seule. Une arme là toute seule. Qui reste-t-il qui va bouger? Toi. Toi, on s'en fiche un peu. Ça descend, c'est prêt à sortir. Très bien, avance là. Ok. Voilà, il est là. Le misclic. Le deuxième misclic. Et là, c'est fini. Ouf, un mort. Seulement un. Malheureusement, on n'a pas capturé d'alien. On n'a pas eu cette occasion-là. Un capitaine, 3 sergents. Ah, compliqué. Alors, rendez-vous de nos armures. Au moins, ils sont tous contents. C'est pour ça qu'on a attaqué le 31 août. C'était pour éviter qu'ils se plaignent. Qui signe un pacte secret avec les aliens, comme a pu faire la Chine en fait. Parce que c'est... ils ont fait ce coup là la dernière fois. C'est des sergents maintenant. Bah, nouvelle recrue, deuxième classe, vous restez à la maison. Ok, équipement. Très bien. On rééquipe avec ça. On n'a pas le tank encore, non, il n'est pas encore arrivé. Très bien. Ah, je n'ai pas regardé les armures aussi, on sait jamais. C'est pas là, c'est là. Oh, bon, Bouchard, ouais, très bien, parfait. T'as une combinaison de vol. Petit bas. Normalement, ils devraient être moins offensifs, les aliens là.
puisque on a réussi à les repousser de manière un peu définitive. Sur cette base en tout cas, donc il y aura moins de grands vaisseaux, les soldats remplaçants. Recherche terminée, défense à fusion. Les missiles de fusion sont la défense la plus efficace contre les attaques aliens. Ces missiles créent une implosion antimatière qui détruit tout dans un rayon spécifique. Oui, c'est efficace ces trucs-là, mais on se retrouve sans réelle recherche à faire. On a un muton soldat. Profitons-en. Ok, très bien. Ici, on a notre défense à plasma. On n'a pas fait de défense anti-gravité. Enfin, bouclier de gravité. Hop, on va le faire. Et on va donc mettre une défense à fusion. Même si ça me plairait bien, moi qui m'attaque ma base. J'aime bien les attaques de base qu'on subit. C'est stressant. Parce que si on perd la base. Mais c'est intéressant. Mais là, la base, ça commence à être énorme. J'imagine même pas à couvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on voulait? Oui, équiper le vaisseau avec le tank au cas où on tombe sur des petits sectoïdes tout pourris, il sera utile. Très bien. Hop. Recherche terminée. Muton, cette créature humanoïde est physiquement puissante et intelligente. Intelligente, ah, je pensais pas. Elle apprécie tout particulièrement la viande crue dont elle a besoin pour vivre, comme les carnivores terriens. Elle semble obéir aux ordres télépathiques d'une race appelée les Etheros. Les Etherés. Si ce lien télépathique vient à se rompre, son système mental est détruit et elle meurt. Les implants cybernétiques sont utilisés pour renforcer sa performance au combat. Elle est de toute évidence au service d'une intelligence supérieure. D'accord. Ça va aller le coup de l'interroger. Un autre hyper-terroriste, ça donne quoi si on l'interroge? Petit et un grand. Alors le grand. C'est intéressant, c'est bien le grand lui. Et le petit, il va falloir aussi qu'on y aille. Très bien. Encore un autre grand. Bon joué. Je voulais bien tirer avec l'autre. Très bien, bon, c'est fini. Toi, tu vas intercepter le petit. Moi que lui puisse y aller. Ah, il peut être lui, c'est vrai. Autant Skyranger, il peut faire qu'une mission. Il peut pas enchaîner les missions. Autant l'Interceptor. Oh, on va lui faire faire le petit quand même. S'il arrive à leur frapper. C'est pas le cas. Vise le grand alors. Toi, retourne à la base, ça sert à rien. Toi aussi, retourne à la base, ça sert à rien. Hop, c'est le petit ça. Oui, c'est le petit. Génial, on l'a eu. Interceptor 1, avant que tu ailles à la base, essaie d'intercepter le grand. Et nous, on va essayer, après, d'attaquer... Ah bah c'est bon, on va l'avoir. Sauf s'il nous fait une terreur alien sur Madrid. Non, on l'a eu avant. Voici l'intérêt des canons à plasma. Comparé au missile avalanche, le missile avalanche est très bien pour commencer le jeu, mais le canon à plasma, bah, il est un peu très bien pour le finir en fait. Et on est sur le crash du premier grand vaisseau. Je vais pas regarder les armures. Tant pis, c'est pas grave, de toute façon il meurt pareil. Il tombe comme des mouches. C'est un grand. Dans le doute. C'est quand même agréable de se battre dehors alors qu'il fait jour. Toi, tu faut que tu descendes. Juste par là. Et comme ça. Alors, t'as vu quoi? T'as vu le début du vaisseau? Très bien. Est-ce qu'il fume? On ne sait pas. Ok. Toi aussi tu passes par derrière. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Le pathfinding, il est bizarre. Et on a vu
personnes en sortant du vaisseau. C'est une première depuis très longtemps. D'habitude, on se fait assiéger à notre descente du vaisseau. Et pas là. Ce qui est une bonne nouvelle, je trouve. Même si là. Je voulais pas aller aussi loin en fait. Ah. Ah, il y en a un au sud. A priori, il y en a un par là. Mon tank tout neuf! Je peux lui envoyer la facture, à votre avis? Parce que là, mon pauvre petit tank, c'est tout qui doit être là, il le voit même pas, c'est énervant ça. Bon bah, ton tour d'avancer, hein. Ah, qu'est-ce que je disais, il est là. Oh non, des Ethereals. Oh non. Oh non. Tu vas encore tout le tuer. Tu peux même pas tirer un tir instantané simple. Toi, tu peux tuer. Voilà. C'est au moins ça. Ah non, mais les Ethereals, ils vont encore nous. Contrôler tous nos gars. Allez, Léon Godin, t'as une armure pourrie, passe devant pour être celui qui se fera contrôler. Vous. Bah non, faut faire le tour. Vous êtes des pauvres petits piétons. Vous faites le tour. C'est comme ça que ça marche quand on est piéton. Et vous qui volez, bah vous passez par le haut, en espérant ne pas vous faire voir. On les entend dans le vaisseau. Ils fument. Ce qui veut dire qu'il y a eu des morts. Très bien. Toi, t'as pas assez de temps. Bah, si, t'as. Alors, t'as pas assez de temps pour marcher dans le mur, c'est vrai. C'est plus cher. Ça coûte pas que 4 comme. Après. L'air tendu. Des sectoïdes qu'on puisse essayer de les. Je sais même pas si j'ai disséqué les sectoïdes. Si, je crois. Je sais plus. Je sais plus comment on fait pour aller en entraînant psionique. Ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi la personne d'honneur. Pas eu encore de tentative de contrôle de mes gars. Il peut aller se coller au vaisseau, mais il n'y a pas de problème. Pareil pour lui. Comment le vaisseau? Ouais, c'est le vaisseau habituel. Non, c'est pas le vaisseau habituel. Celui-là, on l'a jamais croisé, ce vaisseau. Ou du moins sur le sol. Ok. Regardez les glitches. Les très grands vaisseaux aussi, ils ont des glitches. Si on peut en avoir un qui se pose et intervenir dessus, je vous montrerai. Hop. On les cache tous. On n'a oublié personne derrière, a priori. Ainsi, toi. Toi aussi, tu peux avancer. Et toi aussi, tu peux avancer. Bon, a priori, il n'y a personne ici. Je sais pas s'il y en a là. De toute façon, nos unités qui volent, il faut qu'elles fassent le tour. Ok, il a fait son repérage, lui, il peut aller se cacher. Eux, ils savent.
aussi il a fait le repérage. On met les autres derrière, prêts à surgir. Si on avait un bouclier devant, ça ferait vraiment comme le swag. Personne de visible ici. On sait qu'il y en a au moins un dans le vaisseau, puisqu'on entend les portes. On va se méfier, puis on va avoir deux hommes aussi. Alors, non, on voit toujours personne. Et ici, non plus. Allez, on se met en position pour rentrer. Pour rentrer. Toi, je sais pas si t'étais utile. Bien là. Ils rentrent, ils sortent. Bon, on a plus que des sergents. Ok, donc un vaisseau qui est normalement à deux générateurs ici d'Hélarium 115. Toi, tu peux peut-être avancer vers la deuxième porte avec les deux volants. Là, on a tué quoi, deux depuis le début. Il y en a un qui a pris l'ascenseur. Ok. On descend. Très bien. Toi là, tu peux venir ici. Peut-être pas le chemin que j'aurais suivi à ta place. Voilà, là on couvre un peu mieux cet espace-ci. Maintenant, on va essayer d'avancer par là. Pas de porte ouverte, donc a priori, il n'y a personne. Ça en ligne. Là il y en a un. On va tirer lui dessus peut-être. C'est bien. C'est moins bien. Évidemment. Ah c'est bien, il sort, donc il ne voit plus. Et eux non plus ne le voient plus. J'espère. Toi, tu le vois. T'es résistant celui-là? Je suis même pas sûr d'avoir entendu cri, je sais même pas s'il est mort. Oui, tu vois lui, mais on va rentrer. Toi, viens là. Toi, monte. Toi, essaie de monter aussi. Très bien. Peut-être même que lui peut monter. Lui, 25. Cool. Comme ça, l'autre ne les vaut plus. Il vaut plus personne. Donc, s'il reste un survivant, on peut espérer qu'il se fasse plus contrôler. Et puis, il faudrait que je vois où est-ce qu'il est, Thompson aussi. Thompson. Ah mince, Thompson il est dehors, c'est ça? Ah mince. Ok, très bien. Oui, mais encore.
Mais encore, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un morceau de mur. Ok, très bien. Et au-dessus ici. Ok. Très bien. Y en a un là. Très bien. Tu auras une ligne de tir peut-être là. Ah, bonjour. Ça coûte combien? 19. Mais non, il y en a un de trop. Je crois qu'on peut lui dire au revoir à lui. Tant pis, tu étais valeureux. Toi, tu peux te cacher peut-être. Ouais. Malheureusement, c'en est fini de lui. Sauf s'il travaille chez XCOM aussi, les aliens. Parce que mes gars ne toucheraient pas une vache dans un couloir. Ok, il s'est caché. Il travaille chez XCOM, bonne nouvelle. Ah bah non. Il a paniqué, génial. Ok, ça vaut au troisième étage. C'est pas pratique ces vaisseaux quand même. Vous imaginez, vous, vivre là-dedans et être au rez-de-chaussée, enfin devoir passer par le rez-de-chaussée pour atteindre cette salle-ci. Ah, lui, il a paniqué. Ah oui, c'est vrai, puisqu'ils sont là-dedans. Paniqué lui, mais c'est pas grave. Ok, toi tu peux tirer. On en voit encore un. Ça me semble hasardeux de tirer. Super, on l'a eu. Alors, maintenant, puis on n'a pas dû voir d'où ça, d'où venaient les tirs. Pas de ligne de tir. Et maintenant, il y a une ligne de tir, peut-être. Très bien. Ok, on espère encore que celui qui est là va pas s'amuser à venir voir lui. Parce qu'il est un petit peu en train de paniquer. Ok, toi tu peux venir. Au moins c'est plus rapide quand ils se déplacent eux. Toujours sur contrôle, il est en train de monter. Mais il était où? Ah, il s'est encore fait tuer par en bas. Ça doit être ça, il a dû tirer par en bas. Je me suis encore fait avoir par le trou. Ok, passe par ici, toi. Toi, passe par là. Il ne doit plus rester grand monde de toute façon. Bien.
bien falloir de toute façon qu'on re-rentre, hein, parce que si ça se trouve, il va falloir qu'on tue notre gars, parce que c'est lui qui fait le plus de victimes. Ça sent encore le MIA, hein, ça. Et regardez. Oh bon, il est sorti. Super. T'as paniqué dans le bon sens, mec. Vous deux. Enfin, toi tout seul déjà. Elle était en quoi son armure à lui? Je veux la même. Super. Bonjour. Attends, t'es... Ouais, malheureusement. Malheureusement. Ça devait être les commandants et comme j'avais pas le petit lanceur. Il en reste un, évidemment. On a oublié, mais il restait celui qui était là-dedans. Qui a disparu. Un peu tout seul, toi. Ce serait bien que eux viennent t'aider. Heureusement qu'ils étaient là, eux. Ça m'aurait bien surpris. Et on a fini. Bon, bah, trois agents tués. On n'a pas eu finalement le MIA, hein. On l'a abattu. Et on a deux sergents. Pas assez d'équipement. Bien sûr qu'on n'a pas assez d'équipement parce qu'on a encore perdu ce char. Okay.